Alors, dans cette conférence, je tenterai en 80 minutes de vous faire découvrir l'univers, de vous offrir un panorama de tous les objets célestes qu'on peut trouver dans notre univers, leur évolution et aussi l'histoire de notre univers. Pourquoi ? Bah parce que l'homme, depuis plusieurs milliers d'années, a aimé croire que la Terre était au centre de l'univers. Ça s'appelle le système géocentrique, avec tous les astres qui nous tournent autour. Et puis, plus tardivement, on est passé au système héliocentrique, le système où le Soleil est au centre d'un ensemble d'objets célestes. Donc, on va commencer notre voyage par la Terre, évidemment, puis on va aller aux confins du système solaire, et puis ensuite, on s'envolera vers les étoiles de notre galaxie, visiter d'autres galaxies, toujours plus lointaines, et puis on verra une brève histoire de l'univers. Je vous ferai travailler un petit peu ensuite, et puis on finira ensuite par la théorie des multivers, et on verra si cette théorie est purement de la science-fiction ou pas. Donc avant de commencer notre voyage, il convient déjà de restituer notre planète dans son proche environnement. La Terre est une des 8 planètes du système solaire. Donc qu'est-ce que le système solaire ? Le système solaire, c'est un ensemble d'objets célestes, dont le principal objet est l'étoile, donc le Soleil. Et le Soleil représente 99% de la masse totale du système solaire. Et dans ces 99%, Jupiter prend 50% de la masse restante. Donc vous voyez que le système solaire, finalement, il ne pèse pas grand-chose. Donc on a 8 planètes, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc la Terre, c'est la plus grosse des planètes qu'on appelle telluriques, c'est-à-dire des planètes qui possèdent une surface rocheuse. Donc on en a 4, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et son diamètre, il est d'environ un petit peu moins de 13 000 km. C'est la seule planète aujourd'hui qui abrite la vie. Alors, elle n'est ni trop chaude ni trop froide, elle a une atmosphère qui nous protège des rayons nocifs du Soleil, et puis en plus on a de l'eau liquide à la surface qui permet à la chimie du vivant de se développer. Alors attention, aujourd'hui c'est la seule planète qui possède de la vie. Il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres planètes dans l'univers qui aient des caractéristiques semblables à celle de la Terre, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. Donc la Terre est accompagnée par la Lune. La Lune, c'est le satellite naturel, le seul satellite naturel de la Terre. Il se situe à peu près 384 000 km de la Terre. Et la Lune, elle a une particularité, c'est qu'elle a une rotation synchrone, c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même en 28 jours. Et pendant qu'elle tourne sur elle-même en 28 jours, elle fait un tour autour de la Terre en 28 jours également, ce qui fait qu'on ne voit que la même face de la Lune en permanence. On ne voit pas la face cachée de la Lune, on voit toujours cette face-là. Et puis la Lune, elle se serait formée peu de temps après la formation du système solaire, donc il y a 4,5 milliards d'années, la Lune, elle se serait formée d'un impact avec la Terre. Donc à l'origine, on aurait ce qu'on appelle un planétésimal. Bon, c'est pas une planète, hein, c'est un objet à mi-chemin entre la planète, c'est une Terre primitive, c'est une planète primitive en quelque sorte. Et ce planétésimal est entré en collision avec la Terre, un peu comme ceci. La gravité du planétésimal s'est détruite, arrachant au passage une bonne partie de la surface terrestre. Et tous ces débris se sont rassemblés en un large anneau de matière autour de la Terre, qui s'est très vite dissipé pour former la Lune et pour grossir aussi le diamètre de la Terre. Donc ça s'est produit il y a à peu près 4,3 milliards d'années. Donc, même si le scénario là ne fait pas l'unanimité encore auprès des scientifiques, il est très largement admis. Et puis la Terre, on a vu, elle est située à 1 seconde 28 lumière de la Terre. La Lune est située à 1 seconde 28 lumière. Alors qu'est-ce qu'une seconde lumière ?
Ben, en fait, en astronomie, on utilise trois unités de distance. La première, c'est l'unité astronomique. C'est celle qui va nous servir à évaluer les distances dans le système solaire. Et une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, qui fait à peu près 150 millions de kilomètres. Et une fois qu'on va travailler entre guillemets en dehors du système solaire, quand on va vouloir évaluer la distance des étoiles ou des galaxies, bah, l'unité astronomique, comme les kilomètres, deviennent beaucoup trop justes pour travailler sur des échelles qui sont relativement grandes. Donc on utilise l'année-lumière. Et une année-lumière, c'est 9460 milliards de kilomètres. Alors une année-lumière, ce n'est pas une unité de temps, c'est une unité de distance. C'est la distance parcourue par la lumière en une année. Et puis les astronomes travaillent aussi avec le parsec, le mégaparsec, le gigaparsec, etc. Je ne vais pas en parler dans la conférence, c'est juste pour le citer. Et le parsec est égal à 3,28 années-lumière. Donc voici une petite vue du système solaire. Donc vous avez vu hein, les quatre planètes telluriques qu'on a vues tout à l'heure, les quatre géantes gazeuses qui sont juste ici. Et c'est quoi les deux petits points près? Ça c'est des planètes naines, c'est Pluton et le Soleil, je sais pas trop ce point. Donc le Soleil, on a vu tout à l'heure, il représente 99% de la masse du système solaire. Et puis Pluton n'est plus considéré comme une planète. En 2006, Pluton a été déclassé de son rang de planète. Pourquoi? Bah pour quatre raisons. La première, c'est que c'est un objet qui est très petit comparé aux autres planètes. La deuxième raison, c'est que lorsque l'on regarde l'orbite des 8 planètes du système solaire, on est dans un plan qui est à peu près horizontal. L'orbite de Pluton est un peu particulière parce qu'elle fait un peu ça. Elle n'est pas vraiment sur le même plan que les autres. Troisième chose, on a vu que Pluton avait énormément de débris sur son orbite. Des cailloux, plein de choses comme ça. Or, toutes les planètes, pour être considérées comme telles, doivent avoir fait, entre guillemets, le ménage. C'est-à-dire qu'elles doivent avoir une orbite propre. Et puis, dernier élément, on a trouvé d'autres objets qui sont similaires à Pluton, comme Cérès, Makemake, Sedna. Donc finalement, soit on se retrouvait avec 8 planètes dans le système solaire, soit on se retrouvait avec 15 planètes, 20 planètes, etc. Donc l'UAI, l'Union Astronomique Internationale, a tranché et a dit Pluton ne fait plus partie des planètes du système solaire. Donc on a créé une nouvelle catégorie qui s'appelle des planètes naines, dont Pluton est la principale représentante. Donc je n'ai pas passé en vue toutes les planètes du système solaire, je vais juste prendre les principales. Je vais prendre la plus petite des planètes gazeuses, et aussi la plus lointaine, Neptune. Neptune, elle se situe à quasiment 4 700 millions de kilomètres. La lumière, à la vitesse de 300 000 km par seconde, met 4h19 pour parcourir cette distance. Pour rappel, la distance Terre-Soleil est couverte en 8 minutes par la lumière. Vous imaginez un petit peu la distance qui est séparée. Et puis, Neptune étant très loin, mais quasiment 165 ans pour effectuer un tour autour du Soleil. Donc, Et puis, elle n'est que, entre guillemets, 4 fois plus grosse que la Terre. Ce qui prend quand même un an, on va le voir avec Jupiter. Jupiter, elle, c'est la plus grosse des planètes du système solaire. Elle est aussi plus proche, hein, elle est à 588 000 millions de kilomètres au minimum de la Terre. Elle tourne autour du Soleil en 12 ans, et son diamètre est 11 fois plus important que celui de la Terre. Donc on n'est plus vraiment dans la même catégorie. Donc ça, c'est un petit schéma qui vous montre un petit peu les distances que l'on a dans le système solaire. Donc ici, on a le demi-grand axe de Jupiter, c'est-à-dire le rayon qui est juste ici. Et la lumière, à la vitesse de 300 000 km par seconde, mais 43 minutes pour faire la distance Terre-Jupiter. Donc ça, c'est la distance moyenne de Jupiter au Soleil. Donc, on a 779 millions de kilomètres. Et après, je vais prendre l'orbite de Jupiter, je vais la mettre au centre de ce schéma-là.
Et je vais prendre le demi-grand axe de Pluton. Pluton, elle est juste ici. Et la lumière, donc Pluton est à quasiment 6 milliards de kilomètres du Soleil, la lumière met 5h30 pour faire ce trajet. Et puis je vais aller encore plus loin, je vais prendre, vous voyez ici, vous avez un objet qui s'appelle Sedna, qui est une planète naine. Et quand Sedna est au plus loin du Soleil, c'est-à-dire juste ici, la lumière met 5 jours pour parcourir cette distance. Et puis encore plus loin, dans les confins du système solaire, on a ce qu'on appelle le nuage de Oort. Le nuage de Oort, c'est un vaste nuage, c'est un réservoir de comètes en quelque sorte. Et là, la lumière met 4 mois pour parvenir à ce nuage. Donc ça, c'est une petite image rigolote là, qui montre Saturne, on connaît bien les anneaux. Et ce petit point qui est juste ici, c'est la Terre, vue depuis Saturne. Et on n'est qu'à seulement, entre guillemets, 1 milliard 490 millions de kilomètres. Donc on est quand même relativement proche à l'échelle du système solaire. Si on voulait représenter le système solaire, par exemple, sur l'autoroute entre Paris et Marseille, donc vous voyez que les quatre planètes telluriques plus le Soleil tiendraient à peu près dans la région parisienne. Jupiter serait à peu près ici, Saturne vers Dijon. Uranus serait après Lyon et seulement Neptune serait vers Marseille. Imaginez un petit peu la taille du système solaire. Alors Terre-Soleil, c'est un duel qui est un peu déséquilibré. On va voir pourquoi. Souvenez-vous, la Terre, c'est quasiment 13 000 km de diamètre. Donc là, vous avez une vue à l'échelle de la Terre. Le Soleil a un diamètre 109 fois plus important. 1 392 000 km. C'est-à-dire que dans le Soleil, à l'intérieur du Soleil, si on parle en volume, on pourrait faire tenir 1 million de fois la Terre. Grosse différence aussi au niveau de la température. Puisqu'à la surface de la Terre, on a à peu près quoi, 15 degrés, à peu près. À la surface du Soleil, on a 5500 degrés. Alors s'il y en a parmi vous qui sont frileux, vous pouvez essayer de faire un petit voyage à bord. Voilà, donc ça c'est un petit dessin qui vous montre un petit peu le diamètre apparent du Soleil sur les différentes planètes du système solaire et la luminosité et la lumière qui est reçue, juste ici. Donc évidemment, plus on s'éloigne du Soleil, plus le diamètre apparent du Soleil est minime. Alors évidemment, le Soleil il a une importance capitale pour nous, parce que c'est grâce à lui que la vie a pu se développer sur Terre. Et puis, on n'en a pas parlé, mais la différence entre étoiles et planètes tient principalement de la production d'énergie. Une planète ne produit pas sa propre énergie, ou alors si elle le fait, elle le fait de manière infime par rapport à ce qu'elle reçoit d'étoiles. En fait, le Soleil, c'est un petit peu comme une voiture. Il a besoin de carburant pour fonctionner, et une fois qu'il a épuisé ce carburant, et ben, il ne se passe plus grand-chose. Donc on verra tout à l'heure comment on les éclaire. Donc ça, c'est un petit tableau qui vous permet de bien visualiser l'échelle des distances dans le système solaire. Donc j'ai pris trois vitesses différentes. La vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, puis une sonde spatiale à 12 km par seconde, et un TGV à 300 km par heure. Pour effectuer le trajet Terre-Lune, la lumière, on l'a vu, met 1,2 secondes. En sonde spatiale, en supposant que la sonde parte à 12 000 km et qu'elle effectue le trajet le plus court possible, mettra à peu près 8 heures. En TGV, il faudrait 53 jours. Donc plus je vais m'éloigner, par exemple si je prends la distance entre Soleil et Pluton, la lumière va mettre 5h05, il lui faudrait 13 ans avec une sonde spatiale et 1864 ans avec un TGV. Donc ce qui est extrêmement long. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu les distances qu'on avait dans le système solaire, on va aller encore un peu plus loin, pour cette fois voir un petit peu ce qui est le proche environnement du Soleil cette fois. Donc vous avez ici, sur un rayon de 10 années-lumière, toutes les étoiles les plus proches du Soleil. Vous voyez qu'elles ne sont pas toutes sur le même plan. Elles sont à des positions très différentes les unes des autres.
Proxima du Centaure est l'étoile la plus proche de la nôtre. Elle est à 4,6 années-lumière. Alors, elle n'est pas visible dans l'hémisphère nord, elle est dans l'hémisphère sud. Donc, je vais marquer le chiffre en kilomètres juste ici, pour que vous ayez un petit aperçu de la distance. Alors, maintenant, je commence un petit peu à vous faire travailler un tout petit peu. Si on décide, par exemple, de placer le Soleil à la place de Notre-Dame, et qu'on décide de représenter la distance Terre, la distance Soleil, Proxima du Centaure, par 12 000 km. C'est-à-dire qu'on placerait Proxima du Centaure à 12 000 km, c'est-à-dire à Hawaï. Où est-ce que je devrais placer la Terre pour respecter cette échelle? À votre avis. Oh, sur l'esplanade. Exactement. En fait, on devrait la placer à 4,53 mm de la façade de Notre-Dame. Ah oui. Pour respecter l'échelle. Donc le Soleil, c'est une étoile de notre galaxie, la Voie lactée. On a à peu près 150 à 250 milliards d'étoiles. C'est pris à la louche, hein, on ne les a pas toutes comptées. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent essayer de faire un petit comptage, vous pouvez toujours essayer. Donc le Soleil, ce n'est pas l'étoile principale de la galaxie. C'est qu'une étoile moyenne. Il y en a des plus chaudes, il y en a des plus grosses, il y en a des plus froides, des plus petites. Donc le Soleil, c'est vraiment une étoile moyenne. Et on se situe, là, sur un des points spiraux de la galaxie, à 28 000 années-lumière du centre de la galaxie. Alors évidemment, on n'a pas de vue globale de la galaxie, étant donné qu'on n'a jamais pu en sortir. Voilà, pour ce qui est de la Voie lactée. Je reviendrai un peu dessus tout à l'heure. Donc le Soleil, c'est une simple étoile. Donc ici, vous avez la Terre. Donc la Terre, on la met ici pour la comparer aux planètes géantes gazeuses. Donc vous voyez déjà que la Terre ne pèse pas grand-chose par rapport à Jupiter. Et puis Jupiter, on va la placer juste là. On va la comparer par rapport au Soleil. Le Soleil est ici, je la compare à Sirius. Et puis Sirius n'est pas non plus l'étoile la plus grosse de notre galaxie. Sirius, je la place ici, un tout petit point que vous avez là. Et puis j'augmente en taille et j'arrive à Aldébaran. Aldébaran, je la place juste ici. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien le petit point qui est juste là. Et Aldébaran, je la compare à Antares. Donc imaginez déjà, rien que là, la taille du Soleil par rapport à Antares, par exemple. Et puis Antares, je la place ici. Et je la compare à la plus grosse étoile connue, qui s'appelle VV Cephei. Et VV Cephei, c'est la plus grosse étoile aujourd'hui qui a été découverte. Une petite anecdote, si on voulait faire le tour de l'équateur de cette étoile, avec un avion à la vitesse de 900 km par heure, il nous faudrait à peu près 1400 à 1500 ans pour en faire le tour. Donc les étoiles, ben avant de mourir, il faut qu'elles commencent par naître déjà. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la naissance des étoiles, ni de la mort, ni d'évolution, etc. Je vais simplement aller à l'essentiel pour qu'on puisse avoir un petit peu le déroulement de la vie d'une étoile. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une nébuleuse. C'est la nébuleuse d'Orion. D'ailleurs, si vous venez à une observation publique, vous pourrez la voir, c'est assez chouette à observer. Hein. On ne la voit pas comme ça, évidemment, mais c'est vraiment très chouette. Et les étoiles, elles se forment lorsque des nuages de gaz moléculaires se rencontrent, s'effondrent sur elles-mêmes, s'échauffent, et cet échauffement va finir par provoquer, entre guillemets, l'allumage des étoiles. Donc ici, on a 1350 années-lumière de notre système solaire, et ce nuage-là, il mesure 33 années-lumière de diamètre. Ensuite, les étoiles vont évoluer, petit à petit. Elles vont former des amas ouverts. Une fois qu'elles se seront débarrassées du nuage de gaz, de leur cocon, elles vont évoluer très lentement. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le double amas percé. Le double amas percé est situé à 7000 années-lumière. Vous avez plusieurs milliers d'étoiles qui sont dans ces deux amas. Et vous avez la distance en kilomètres juste ici. Vous voyez, on commence à prendre pas mal de distance. Et vous comprenez aussi pourquoi on travaille plus en années-lumière qu'en kilomètres. Et puis les étoiles, elles finissent par mourir. Ici, vous avez la nébuleuse de la Lyre, M57, qui est située à environ 2000 années-lumière.
Et les étoiles, elles ont deux types de fin. Soit elles ont à peu près la masse du Soleil, c'est-à-dire une petite étoile, elles finissent de manière pas trop cataclysmique, c'est-à-dire qu'elles gonflent, elles gonflent, elles se libèrent de leur nuage externe de gaz qui est éjecté dans l'espace, et il reste une petite étoile au centre qu'on appelle une naine blanche, qui progressivement ne va plus émettre de lumière pour devenir une naine noire. C'est ce qui arrivera au Soleil, ici 4,5, 5, 6 milliards d'années. Le Soleil va gonfler, gonfler, gonfler. Il va avaler Mercure, Vénus, peut-être la Terre. Enfin, de toute façon, on ne sera plus là pour le voir. Mais... et puis, il va se libérer progressivement de ses couches externes. Et puis, il y en a d'autres qui ont une fin un peu moins sympathique, qui sont les supernovas. Donc celle-là, elle est située à 6000 années-lumière. Ça, c'est un phénomène qui est assez violent, on va dire. Cette étoile-là, elle a été observée en plein jour par les Chinois en 1053. Et ils ont retranscrit cette observation-là dans des récits. Donc là, vous voyez, la distance, quand même assez loin. Donc on a réussi à voir cette étoile-là en plein jour alors qu'elle est située à 6000 années-lumière. Donc, imaginez un petit peu la puissance du phénomène. Donc de ces étoiles-là, ben, il y a deux possibilités. Soit il reste une étoile à neutrons, c'est-à-dire en gros une étoile qui a la taille de la Terre et la masse du Soleil, donc c'est quelque chose de petit et immensément massif. Soit il reste un trou noir. Et les trous noirs, donc voici une photo d'un trou noir. En réalité, ils ne sont pas toujours noirs, mais ils sont trous noirs. Hein. C'est simplement en lumière visible, on verrait de cette manière. Donc pas de panique, le trou noir central de la galaxie est situé à 28 000 années-lumière. Vous voyez qu'on en est quand même assez loin. Et un trou noir, bah, c'est en quelque sorte un puits de gravité. Tout ce qui tombe à l'intérieur d'un trou noir ne peut pas s'en échapper, même la lumière. Pour vous donner un petit exemple, il y a une notion qu'on appelle la vitesse de libération. Si je prends par exemple la vitesse de libération de la Terre, c'est-à-dire la vitesse nécessaire à atteindre pour qu'une fusée puisse quitter l'orbite de la Terre sans être attirée par l'attraction terrestre. On est obligé d'envoyer cet objet à une certaine vitesse. Pour la Terre, c'est 12 km par seconde. Un trou noir, on a vu que la lumière ne pouvait pas s'en échapper. C'est-à-dire que la vitesse de libération d'un trou noir, finalement, est supérieure à 300 000 km par seconde. Donc c'est un puits de gravité. Alors pour illustrer un petit peu tout ça, si on considère par exemple qu'un trou noir avait trois moyens d'un homme, c'est-à-dire à peu près 80 kg. À votre avis, quelle taille aurait-il? Soit la taille d'un électron, soit la taille de la tour Eiffel, ou soit la taille moyenne d'un homme, c'est-à-dire 1,80 m, à votre avis. Ben, il aurait la taille d'un électron, effectivement. Vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement massif. Donc le but de ce petit test-là, c'est de vous montrer que finalement, un trou noir... L'échelle de la galaxie n'est pas forcément immense, mais il est extrêmement massif. Le trou noir central de la galaxie pèse plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Ensuite, on a ce qu'on appelle les amas globulaires. Alors, les amas globulaires, ce sont des concentrations d'étoiles, entre 100 000 et 1 million d'étoiles à peu près, et qui se trouvent dans le halo de notre galaxie. Donc ça, c'est un très bel amas ouvert qu'on peut observer en été. Il y a l'amas d'Hercule, M13, qui est situé à 21 000 années-lumière. Et on a à peu près 500 000 étoiles à l'intérieur. Alors, leur formation est un peu... On ne sait pas trop comment ces objets-là sont fermés. C'est peut-être le résultat de fusion de très petites galaxies avec la Voie lactée il y a déjà plusieurs millions d'années. On ne sait pas quelle certitude. Et puis comment parler de notre galaxie sans évoquer le cas des exoplanètes? En 1995, on a découvert la première exoplanète, Dikeleuze et Michel Mayer, et aujourd'hui on a franchi le cap des 1000 exoplanètes découvertes. Et le satellite Kepler, on a 2 ou 3000 en stock qui restent à confirmer. Donc on est prêt à faire exploser le compteur. Et c'est intéressant parce que finalement, les planètes dans notre galaxie ne sont pas si rares que ça. C'est-à-dire que le système solaire n'est pas une exception, bien au contraire.
Ou alors c'est une exception, mais de par sa forme. Et il y a des astronomes qui estiment qu'on a à peu près une exoplanète par étoile. Donc on a à peu près 150 à 250 milliards d'étoiles. Donc je laisse imaginer le nombre de planètes qu'on pourrait avoir, sachant que dans le système solaire, on en a déjà 8. Donc là encore, plus les techniques avancent, plus on est capable de découvrir des planètes petites et des planètes qui sont éloignées de leur étoile. Parce qu'une détecter une exoplanète, c'est pas une mince affaire. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode des transits. Pour schématiser un petit peu ça, c'est comme si à Marseille, vous observiez la baisse du transit d'un moustique devant un phare de bateau à Brest, et que vous mesuriez la diminution de l'éclat du phare à cause de ce transit. Vous avez quelque chose qui est ridicule, qui est infime. Là, c'est exactement la même chose avec les exoplanètes. Dans une galaxie, c'est 90 000 années-lumière de diamètre et 2500 années-lumière d'épaisseur. Donc ça peut paraître assez impressionnant. En réalité, quand vous faites le rapport, c'est aussi plat qu'une assiette. Donc en quelque sorte, la galaxie est une assiette cosmique. Et puis, les galaxies sont des objets qui sont relativement simples. C'est du gaz, de la poussière, de la matière noire. Alors, en matière noire, on ne sait pas ce que c'est. On connaît ses effets, par exemple sur la vitesse de rotation des galaxies, mais on ne sait pas véritablement la nature de cette matière noire. Ça reste encore à découvrir. Donc là, on va s'écarter, on va sortir de notre Voie lactée, puis on va aller visiter la galaxie d'Andromède. C'est la galaxie qui est la plus proche de la nôtre. On est à 2,5 millions d'années-lumière. Ce qui est important de savoir quand on fait de l'astronomie, c'est que quand vous observez quelque chose, vous observez dans le passé. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, la lumière ici met 2 500 000 ans pour effectuer le trajet, par exemple ici, jusqu'à notre œil. L'image qu'on a aujourd'hui de la Voie lactée, de la galaxie d'Andromède, pardon, est vieille de 2 500 000 ans. Donc vous avez ici le chiffre en kilomètres. Vous voyez, ça commence déjà à faire. Et puis la galaxie d'Andromède et la Voie lactée, d'ici plusieurs milliards d'années, fusionneront. Elles vont ne former qu'une seule galaxie sous l'effet de la gravité, puisque la galaxie d'Andromède, la Voie lactée et d'autres galaxies font partie d'un petit amas de galaxies qu'on appelle le groupe local. Et ces deux galaxies, la nôtre et celle d'Andromède, vont s'approcher. Alors ça, c'est une petite classification des galaxies. On a déjà les galaxies elliptiques. Les galaxies elliptiques, on verra tout à l'heure, sont représentées ici. Le chiffre représente la sphéricité du bulbe de la galaxie. Plus on est proche de zéro, plus la galaxie est sphérique, plus on se décale vers le 9, plus la galaxie est aplatie. Alors c'est pas un diagramme qui montre l'évolution temporelle des galaxies au cours du temps. C'est des galaxies qui sont très différentes les unes des autres. Ici on a les galaxies lenticulaires, qui sont à la jonction entre les galaxies elliptiques et les galaxies spirales. Et puis donc on a les galaxies spirales qui sont sur la branche du haut, et les spirales barrées qui sont sur la branche du bas. On va les voir un peu plus en détail. Donc, deux exemples de galaxies elliptiques. Donc, ce sont des galaxies très massives qui se situent très souvent dans le centre des amas de galaxies et qui sont relativement pauvres en gaz. Et là, ce sont de vieilles galaxies qui ont un taux de formation d'étoiles qui est moins élevé que pour les galaxies spirales, par exemple. Donc vous voyez, là, au niveau des distances, on s'éloigne encore plus et ça commence à faire beaucoup de kilomètres. Ensuite, on a les galaxies lenticulaires. Elles ont un épais disque de poussière, donc ça c'est la galaxie du sombrero, qui est située à 28 millions d'années-lumière. Et dans ces galaxies, on a du mal à mettre en évidence la présence des princes spiraux. Ce sont des galaxies lenticulaires. On a des galaxies spirales. Donc ça, c'est M51, c'est la galaxie White Pole, la galaxie des chiens de chasse. Et toutes les zones que vous avez en rose ici sont des zones où se forment des étoiles. Donc là, dans ces galaxies-là, le taux de formation d'étoiles il est bien plus élevé que dans les galaxies elliptiques. Et puis enfin, on a les galaxies spirales barrées. Donc là, on voit bien une espèce de barre centrale
qui est juste ici. Et la barre centrale, elle a une particularité, c'est qu'elle évolue en fonction de la dynamique qui agite un petit peu la galaxie. C'est-à-dire que cette barre centrale-là, demain, elle peut disparaître. Et après-demain, elle peut réapparaître. Donc une galaxie spirale, on va dire classique aujourd'hui, peut très bien devenir une galaxie spirale barrée demain, et inversement. Et puis on a des galaxies inclassables, qu'on appelle galaxies irrégulières. Donc souvent, ces galaxies irrégulières sont de jeunes galaxies qui n'ont pas encore fini de se former, qui sont relativement riches en gaz à l'étoile jeune. Donc ici, vous avez M82 qu'on peut observer au télescope, qui se situe dans le fond d'ours. Donc voilà un petit peu la diversité des galaxies. On a à peu près, après aussi c'est des chiffres qui sont un peu à la louche, on a 60% de galaxies elliptiques, 30% de galaxies spirales et 10% de galaxies irrégulières. Et puis il arrive parfois, on l'a vu tout à l'heure, que les galaxies entrent en collision, que les galaxies fusionnent. Ce n'est pas un phénomène cataclysmique, loin de là. Le seul effet de ces collisions, c'est la formation de nouvelles étoiles. Puisque vous avez des nuages de gaz qui ont plus de chances de se rencontrer pour former de nouvelles étoiles. Et puis elles donnent aussi des formes un peu bizarres aux galaxies. Donc là, vous avez la galaxie qu'on a vue tout à l'heure, donc 51, qui est en train d'avaler la petite galaxie qui est juste ici. Ensuite, on a les galaxies à queue de marée. Ici, c'est la galaxie des antennes. Vous avez de gigantesques ponts de matière qui sont ici, qui sont constitués de gaz. Hein. Et ici, on aperçoit les deux noyaux des deux galaxies qui sont progressivement en train de fusionner. Donc, sur une échelle de temps, une interaction, une fusion, il faut au minimum 100 millions d'années pour arriver à former une seule galaxie. Et puis, on a une petite galaxie qui est assez sympa, c'est la galaxie de la roue de la charrette, qui, elle, à une forme particulière, on aurait une petite galaxie qui serait venue en collision d'une galaxie beaucoup plus massive dans un plan perpendiculaire, ce qui va en fait donner cette forme étrange. Donc la répartition de ces galaxies, elle est plutôt organisée, c'est ce qu'on appelle la ségrégation morphologique, c'est-à-dire que les galaxies elliptiques, qui sont les plus massives, se situent au centre des amas, ou à côté du centre, et les galaxies spirales se situent à l'extérieur, au bord de la Vierge. Donc ici, c'est la galaxie de la Vierge, qui est située en moyenne, c'est de l'amas de la galaxie de la Vierge, pardon, qui est située en moyenne à 70 millions d'années-lumière, donc là, on s'éloigne encore un peu plus. Donc vous voyez, tous ces petits coins-là sont des galaxies. Et puis enfin, on a les superamas de galaxies. Dans le cas des superamas de galaxies, le lien physique, c'est-à-dire avec une gravité, sont plus difficiles à mettre en évidence. Autant pour les amas de galaxies, on sait effectivement qu'il y a un lien entre les amas. Pour les superamas, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, tous les points, pareil, hein, les points que vous avez ici, sauf les petits points qui sont comme ça, sont des galaxies. Et puis l'univers, il a une espèce de structure en éponge. Ça, c'est le résultat d'une simulation numérique qui montre comment est distribuée la matière entre les galaxies. Donc, vous voyez ici, vous avez des grandes zones de vide, puisque les galaxies évoluent très rarement isolées. Elles vivent en amas, comme on l'a vu. Mais très rarement isolés. Donc ici, ce sont des zones de vide qui sont complètement vides de galaxies. Alors, on va résumer un petit peu tout ça pour mettre un petit peu les choses au clair. Donc, on a vu que la Terre tournait autour du Soleil à une vitesse de 30 km par seconde, et le Soleil lui-même tourne autour du centre de notre galaxie à une vitesse de 230 km par seconde environ. Il nous faut à peu près 230 millions d'années pour faire un tour autour du centre de la galaxie. En plus de ça, on a la galaxie d'Andromède et la Voie lactée qui vont fusionner, qui se rapprochent l'une de l'autre. Et encore en plus de ça,
notre amas de galaxies se déplace en direction de la main de la Vierge, mais aussi en direction de ce qu'on appelle le grand attracteur, à une vitesse estimée à peu près 630 km par seconde. Donc tout ce qui se trouve dans l'univers est en mouvement. Rien n'est fixe. Ce n'est pas vraiment les galaxies qui sont en mouvement, c'est dû à l'expansion de l'univers. Alors je vous ai dit tout à l'heure que lorsque l'on faisait de l'astronomie, on observait dans le passé. Si par exemple, on suppose qu'un observateur qui se trouve au centre galactique ait des moyens hyper sophistiqués pour pouvoir nous observer, il observerait sur Terre l'homme de Néandertal. Il était situé à 28 000 années-lumière. Pourquoi ? Parce que la lumière d'aujourd'hui ne leur parviendra que seulement dans 28 000 ans. En allant plus loin, si cet observateur a encore des moyens encore plus sophistiqués et qu'il observe depuis la galaxie d'Andromède, il observera sur Terre des dinosaures. Et puis, si on va encore plus loin, dans le super-amas de galaxie, par exemple, et que les moyens sont encore plus sophistiqués, l'observateur il observerait ce qu'on appelle l'époque carbonifère, c'est-à-dire l'apparition des premiers reptiles sur Terre. Et puis ici, vous avez la galaxie, c'était la galaxie la plus lointaine connue, il y en a une autre qui a été découverte il y a un tout petit peu plus loin. Elle se situe à 12,9 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire que ce qu'on voit ici est vieux de quasiment 13 milliards d'années-lumière. C'est l'image de la galaxie qu'on avait 800 000 ans après le Big Bang. Alors, on la voit très très rouge, cette galaxie, c'est dû à ce qu'on appelle l'effet Doppler. En fait, l'effet Doppler, c'est ce qui nous permet de mesurer la distance et l'éloignement des galaxies. Je vais prendre l'exemple d'une voiture de course ou une ambulance de pompiers, par exemple. Quand le véhicule s'approche de vous, vous avez un son qui est relativement aigu, et une fois qu'il est passé et plus il s'éloigne, le son devient de plus en plus grave. C'est exactement la même chose avec la lumière. Un objet qui s'approche de vous va être décalé, lorsque l'on regarde son spectre, vers les courtes fréquences, vers les courtes longueurs d'onde, c'est-à-dire vers le bleu, et plus il va s'éloigner, plus il sera décalé vers les grandes longueurs d'onde, c'est-à-dire vers le rouge. Et dans le cas de notre galaxie, ici, elle est très largement décalée vers le rouge. Et ce qui est assez amusant, c'est que, à cause de l'expansion de l'univers, plus les objets sont loin, plus ils s'éloignent vite. Donc ici, vous avez une petite vue de ce qu'on appelle le Hubble Ultra Deep Field, qui est une photo qui a été prise par le télescope spatial Hubble, qui a visé une toute petite portion du ciel, totalement noire, qui représente à peu près 1/50 de la pleine lune. Et il a fait une photo avec 11 jours de pause. C'est-à-dire qu'il a collecté de la lumière pendant 11 jours. Et après traitement, on a obtenu ça. C'est-à-dire qu'on a obtenu une photo avec 10 000 galaxies dans ce champ-là, dans un champ extrêmement réduit. Et si on voulait refaire cette expérience sur toute la surface du ciel, il nous faudrait à peu près 1 million d'années. Alors, quelques chiffres sur l'univers observable. Donc, on a 10 millions de super-amas de galaxies, 25 milliards d'amas de galaxies, 350 milliards de galaxies massives, 30 000 milliards de milliards d'étoiles. Le chiffre juste ici. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que si vous prenez une plage de 2 km de long, vous avez à peu près 3 millions de fois moins de grains de sable sur cette plage que d'étoiles dans l'univers. Alors maintenant, après avoir vu tout ça, on va essayer de voir une brève histoire de l'univers. L'univers, il est né il y a 13,77 milliards d'années. Et depuis cette période-là, il est en perpétuelle évolution. La meilleure théorie qui puisse expliquer tout ce schéma-là, c'est ce qu'on appelle la théorie du Big Bang. Le Big Bang n'est pas une explosion. Le Big Bang explique toute l'évolution de l'univers, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Et il s'est produit partout en même temps lors de sa naissance. Alors,
l'univers va fabriquer les atomes et la matière, toute la matière que l'on a aujourd'hui, dans les, allez, on va dire, les trois premières minutes. Dans les trois premières minutes, toute la matière est créée. Et puis, il n'y a pas passé grand-chose jusqu'à cette époque-là, 380 000 ans après le Big Bang, et ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique, c'est l'émission de la première lumière de l'univers. Elle a été mise en évidence par le satellite Planck. Par le satellite Planck, qui a dressé cette carte du fond diffus cosmologique. Alors on voit pas mal de petites granulations juste ici. On pensait que l'univers était relativement homogène. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de fluctuations, notamment de température. Et les écarts ici sont d'à peu près 1/100 millième de degré. Donc c'est relativement peu, c'est même quasiment insignifiant. Mais ces fluctuations, elles sont extrêmement importantes puisqu'elles donneront naissance aux plus grandes structures de l'univers. Donc on a vu que toute la matière de l'univers était présente déjà 3 minutes après le Big Bang, et le satellite Planck a permis d'affiner la répartition de cette matière. On a 68% de ce qu'on appelle l'énergie noire. L'énergie noire, pour faire simple, on ne sait pas ce que c'est. On connaît ses effets, elle est responsable de l'expansion accélérée de l'univers, c'est-à-dire que l'univers gonfle, un petit peu comme un ballon de autruche que vous gonflez, exactement la même chose pour l'univers, mais on ne connaît pas sa nature. La matière noire, ben on l'a vu tout à l'heure, c'est 27% de la matière de l'univers, et c'est le même problème, on ne sait pas ce que c'est. On observe ses effets, mais on ne connaît pas sa nature. Il y a seulement la matière baryonique, qui représente à peu près 5% de la matière totale de l'univers, que l'on connaît. C'est tout ce qui est gaz, poussière, etc. etc. Donc en fait, ben, il ne nous reste plus que 95% de la matière à découvrir. Ensuite, alors c'est pas parce que le fond diffus cosmologique, hein, qu'on a eu la première lumière de l'univers, l'univers est pas devenu de suite extrêmement lumineux. On a eu ce qu'on appelle la période des âges sombres. Il faudra attendre quelques millions d'années avant de voir l'apparition des premières étoiles et d'avoir un univers illuminé, en quelque sorte. Donc maintenant, je vais vous faire travailler un petit peu. Et puis on va faire un espèce de petit résumé de ce qu'on a vu. Alors, une année-lumière est une unité de temps. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Non, évidemment, c'est une unité de distance. On gagne quoi? On gagne quoi? On verra après. Un programme. Un programme, voilà, un programme de l'astre. La vitesse de la lumière dans le vide est de... Alors, soit à 300 000 km par heure, 300 000 km par seconde, ou 340 mètres par seconde. C'est une subtilité. Vous êtes tous d'accord avec ça, 300 000 km par seconde ? Exactement. Bon, c'est un peu plus facile, on vient de le voir. L'âge de l'univers est approximativement de 13,77 milliards d'années, 4,58 milliards d'années, ou 898 millions d'années. Ouais, 899, 3 millions. Effectivement. Il est à peu près âgé de 13,77 milliards d'années. Une étoile bleue est plus froide qu'une étoile jaune. Pensez à vos robinets. C'est contraire. Vous êtes d'accord avec ça? Non, elle est plus chaude. Exactement, c'est l'inverse. Les étoiles bleues qui sont situées juste ici sont beaucoup plus chaudes que les étoiles rouges qui sont situées juste là. Par exemple, là, on est à peu près à 30 000 degrés. Ici, on est à peu près à 3 000. C'est un petit peu comme si vous preniez un briquet. La flamme qui sort du briquet est bleue. Celle qui est au contact de l'air qui est la plus froide est orange. Mais on parle de quelle température quand on parle? Celle du cœur de l'étoile ou celle de la périphérie? Surface. C'est la température de surface. Donc en fait, les étoiles, elles sont classées par type, par grand type. On leur a donné des lettres ici. Et puis, pour retenir cette petite phrase-là, on a Hopi, Fangirl, Kiss Me. Une phrase sympathique pour retenir la classification des étoiles.
Alors ça, on n'en a pas vraiment parlé. Quelle est la planète la plus chaude du système solaire? Mercure, Vénus ou Jupiter, à votre avis? Ah. Où ça? En surface? En surface, oui, en surface. Et à quel endroit? Le jour ou la nuit? Le jour. Le jour, c'est Vénus, oui, je pense. Au sol. Au sol, c'est notre Vénus. La température au sol, la plus chaude, c'est Vénus. C'est pas Mercure qui est la plus proche. Mercure a la plus grande amplitude thermique entre le jour et la nuit. Par contre, Vénus, c'est un enfer. Vénus. Vous avez une atmosphère qui est très épaisse et il fait à peu près 450-460 degrés à la surface de Vénus. Alors, ça n'empêche pas, mais il pleut sur Vénus, il pleut de l'acide sulfurique. Mais en fait, les gouttes d'acide sulfurique n'ont pas eu le temps de toucher le sol, qu'elles se sont déjà évaporées à cause de la température. Donc il y a quand même plus sympa comme environnement. Alors maintenant, je vais vous parler de la théorie des multivers. Alors, la théorie du multivers, est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est tout simplement de la science-fiction? Alors déjà, qu'est-ce qu'un multivers? Un multivers, c'est un ensemble d'univers qui sont reliés entre eux par ce qu'on appelle des bonds de verre. Et les trous noirs que l'on a dans les galaxies serviraient à alimenter les autres univers. Alors, c'est une théorie qui est très très loin de l'unanimité. C'est une théorie qui, aujourd'hui, est même improbable. Et ça fait plutôt office d'un bon roman de science-fiction ou chose comme ça. Sauf que, le satellite Planck a peut-être, je dis bien peut-être, mis le doigt sur une preuve de ce que pourraient être les multivers. Eh bien peut-être, je ne m'engage pas. Alors comment? Les fluctuations. Vous savez, les fluctuations de température qu'on a vues tout à l'heure sur la carte du pontifique cosmologique permettent aussi d'expliquer ce qu'on appelle la théorie de l'inflation. C'est-à-dire que c'est une période, dans les premières secondes de l'univers, du jeu de l'univers, qui est encore infiniment dense et infiniment chaud, que l'univers s'est mis à gonfler de manière infinie. Et ici, on a une espèce de S qui sépare deux hémisphères. La logique voudrait que ces deux hémisphères soient relativement semblables. Or, ce qui, on va dire, intrigue les cosmologistes, c'est que les cartes délivrées par WMAP puis par Planck, c'est encore plus précise, montrent quelques différences notables. Et ces différences montreraient finalement que l'univers ne serait qu'une sorte de bulle de gaz en expansion qui serait reliée à d'autres univers. Alors, il faut prendre ça avec prudence, c'est encore loin d'être prouvé scientifiquement. Ce qui est sûr, c'est que en Bourgogne, on a réussi à prouver l'existence des multivers. Ça, c'est vérifié. C'est prouvé. Et c'est. Ça existe bien. Il n'y a pas de. Alors, en guise de conclusion. Les multivers sont dans le rouge. Cette année, le thème de la fête de la science était de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc, ça colle un petit peu avec ce qu'on a vu avec le tour de l'univers. C'est une petite vidéo qui vous montre un petit peu la face de l'homme. Dans l'univers et dans son environnement. Donc là, on va aller vers l'infini, mon petit. Okay.
char. Ça fait peur, ça. Nickel, j'ai passé. Maintenant, on va partir dans l'autre sens. Les nébuleuses planétaires. On arrive au point de la galaxie. Donc, vous voyez que finalement, on ne passe pas loin. Hein. On n'est pas très, très imposant. Donc voilà, je vous remercie de votre participation et de votre attention. Et puis,